Bonjour les Shinigami. Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'antagonisme ultime de Bleach, j'ai nommé Eyewatch, ou Eyewatch, je ne sais pas trop comment ça se prononce selon les goûts de chacun. Moi je vais dire Eyewatch. Donc, Eyewatch, appelé Majesté par ses hommes, et le roi des Quincy. Et cet antagoniste remonte à loin. Il remonte à l'essence même du manga, au tout début, où l'on voit que Uryu dévoue une haine farouche envers les Shinigami, car il y a eu des divergences d'opinion, car les Shinigami tuent les holos et font remonter les âmes au ciel grâce à leurs Zanpakuto, tandis que les Quincy tuent carrément ces derniers, leur âme ne monte pas au ciel, et cela a créé des divergences. Ça crée un déséquilibre au niveau de la Soul Society et tout ça, et ça fait que les deux populations se tapent sur les mains et ça crée des conflits par la suite. Et Eyewatch, qui est le roi des Quincy, en a décidé autrement et ils reviennent se venger contre le Shinigami, grosso modo, c'est ça en fait. Et moi je vais m'intéresser à Eyewatch, qui est le méchant ultime de la série, vu que le manga est terminé. Je vais donner mon avis sur son passé, ses pouvoirs, les exploits qu'il a accomplis pendant la guerre millénaire, pendant la guerre des Quincy, du moins, du dernier arc, et quelques détails bonus qui pourraient s'avérer intéressants. Voilà. Donc, Eyewatch fait sa première apparition au tome 55, au chapitre 484, et... Sur le marque-page du livre, Kubo Sensei nous dit qu'il voulait intégrer ce personnage depuis le tout début de l'œuvre. Donc, ça mérite la peine qu'on aille de suivre ce dernier arc. Car il y a toujours des gens qui disent « Oui, est-ce que je dois finir Bleach? Est-ce que ça devient pas trop nul ?» Moi, personnellement, à partir du tome 70, ça va. Et après, ça part un peu en sucette, pour ma part. Mais sinon, si vous aimez beaucoup de personnages, en plus on en revoit... Bref, pour moi, il faut continuer. Après, c'est mon avis. Voilà. Donc, Eyewatch est le chef du Vanderreich. Sa première action, dès qu'on le voit, est de tuer un Arrancar. Car il dévoue pas une haine envers eux, mais il s'en contrefiche. En fait. Il en a rien à cirer des Arrancars. C'est de la chair à canon pour lui. Il le dit à son subordonné, si on tue celui-là, on pourra en recréer d'autres. On voit aussi une photo où Alibelle est emprisonnée, où elle a ses deux mains liées par des menottes. Donc je sais pas s'il construit des holos avec la pression spirituelle d'Alibelle ou quoi, mais c'est lié en tout cas. Alors on va s'intéresser sur le premier point de la vidéo, donc sur le passé d'Eyewatch. Donc comme je vous l'ai dit, Eyewatch apparaît pour la première fois au tome 55 de Bleach. Cependant, on en apprend plus sur l'étymologie du personnage, sur son passé, au tome 63, au scan 565. Et on apprend qu'à la base, Eyewatch était un petit bébé dénué de sens. Il était sourd, aveugle, muet, paralysé. Il ne faisait rien, il pouvait rien faire en fait. Et comment dire, oui, il pouvait rien faire. Et il avait cependant une faculté irréparable, c'est que il avait une volonté de vivre assez importante et il ne ressentait pas la peur en fait. Et il avait aussi une capacité unique d'apporter le soutien, la guérison, le courage, l'espoir à tous ceux qui le touchent. C'est assez paradoxal pour quelqu'un qui peut rien faire. Et toutes les personnes qui le touchaient, en fait, qui touchaient le bébé d'Eyewatch, toutes les personnes qui le touchaient se trouvaient dotées d'une volonté de force, de ce que vous voulez. Cependant, quand ces personnes meurent, les fragments de... Comment dire ? Voilà, les fragments d'âme revenaient directement à Eyewatch. Donc petit à petit, tous les fragments d'âme des personnes mortes qui touchaient Eyewatch revenaient vers lui. Et ce dernier guérissait ses lacunes natives en fait. Donc il a commencé à voir, à bouger, à marcher. Et il devenait de plus en plus fort à cause de... Enfin grâce à ce stratagème bien précis. Voilà.
Donc ça, c'était pour son passé. C'est expliqué brièvement dans le scan 565. Voilà. T'as pas plus d'informations sur eWatch. C'est assez court. Au niveau de ses techniques, eWatch se bat au corps à corps. Il a une épée. Hein. Moi, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça dans l'art des Quincy. Ils ne se battent pas tous avec des arcs et des flèches. T'as Yugram aussi qui se bat avec une épée. Donc lui, il se bat au corps à corps, eWatch. Il dispose de certaines techniques comme le Blood Vein. Donc c'est un écran protecteur qu'il arrive à ingérer grâce à ses veines, il me semble. Ichigo possède aussi cette technique. Donc, bon, ça c'était un peu pour faire genre, oui, Ichigo a des pouvoirs de Quincy. C'était un peu pour faire genre, je pense qu'on t'a cramé Kubo. Et en gros, il peut faire un écran protecteur avec ses veines hein, et son sang, si on veut. Il dispose de flèches Quincy, d'invocation de flèches Quincy aussi. Il a un shrift surpuissant, donc le A, Almighty, donc c'est le shrift ultime si on veut, qui permet de lire l'avenir, de le modifier, de faire ce qu'il veut. Il peut poser aussi des pièges, quand on peut le voir face à son combat ultime contre Ichigo. Voilà. Donc ça c'était au niveau de ses techniques, de son arsenal de techniques. Et là, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante qui recense les exploits, ce qu'il a fait de ouf pendant l'arc de la Soul Society, pendant l'arc de la guerre millénaire. Alors, pour commencer, eWatch est le boss ultime des Quincy. Donc, c'est tout à fait logique qu'il fasse jeu égal avec Yamamoto. Cependant, il a eu son combat avec Yamamoto, mais il y a eu quelques. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce combat-là, bien qu'il m'ait fait mal au cœur. C'est celui d'avoir brisé un mythe. Bon, avant, mais avant le, j'ai oublié. Avant le combat contre Yamamoto, il a fait l'exploit de. Bon, l'exploit. Il a poutré avec une facilité extrême Kenpachi Zaraki. Moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait un peu plaisir, car Zaraki est un personnage ultra cheat en fait. Il fait partie des personnages un peu trop forts du manga, comme Aizen. Et ça m'a fait plaisir de voir que Iwash l'a fait un peu redescendre sur Terre. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce moment-là où Zaraki perd. Et après la défaite de Zaraki, il me semble qu'il se bat juste après avec Yamamoto. Voilà. Et le combat était pas mal, hein. On voit pour la première et unique fois le Bankai de Yamamoto, ses différentes formes, et on voit la volonté que ce dernier a de rendre l'appareil à son adversaire, car faut pas oublier qu'ils ont tué son subordonné, Sasakibe, que j'aimais beaucoup malgré ses apparitions ultra rarissimes dans l'œuvre. Et ça a eu pour don d'énerver notre papy. Shinigami ultra puissant. Et pour en revenir sur le combat Iwatch versus Yamamoto, le combat était très bon, cependant ça m'a fait froid au cœur quand j'ai vu que Yamamoto s'est fait couper en deux comme un vulgaire sandwich, littéralement. Ça m'a énormément attristé. Je pensais pas ça possible d'humilier à ce point le personnage le plus puissant des Shinigami. Non, sans compter la division 0, bien sûr. Et il a été, sincèrement, il a été défait d'une grande facilité, si on. Après, c'est sûr, dans le combat, Iwatch a été aidé par les Stenriners Lloyd et Royd, ont la possibilité de prendre l'apparence T'en as un qui peut prendre l'apparence et le passé d'une personne et l'autre qui peut prendre ses pouvoirs. Donc voilà, que c'était pas un combat ultra loyal. Bon après c'est une guerre divine, hein. On n'est pas là. Ils sont pas là pour se battre loyalement les Quincy, hein. On peut le voir quand ils volent les Bankai. Hein. Les Bankai des Shinigami, mais ça m'a fait du mal de voir que Yamamoto il s'est fait humilier à un tel point, ça. Ça m'a refroidi quoi. Mais bon, passons. Il y a aussi d'autres avis qui disent que Genryu Sai a perdu à cause de sa fierté. Le Iwatch lui dit lui-même, parce que il aurait pu se faire soigner son bras par Ohiyeme, mais bon, ce dernier ne voulait pas parce que c'était inhumain. Il lui fait rappeler aussi pendant l'arc d'Aizen qu'il voulait refuser l'aide d'Ichigo,
Donc en gros, ce que Iwate veut nous dire, c'est que Yamamoto a aussi perdu en partie à cause de sa fierté qui l'emmène, qui peut le faire tomber de haut. Et c'est ce qu'on a pu voir là. Pour moi, le combat était très bien. Et je crois que franchement, je pense que c'est le moment qui m'a le plus marqué de tout l'arc. Je pense que c'est ça. J'ai vraiment eu mal quand j'ai vu ça sur les planches. Et c'était le tome 58, il me semble. Ouais, c'est ça, le tome 58 où ce combat-là, c'est celui qui m'a le plus marqué pour ce qui s'est produit. Hein. Douloureux, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'était pour le combat avec Yamamoto. Son autre exploit que j'ai pu noter, c'est qu'il s'infiltre sans souci, d'une première part au Gotei 13. Hein. Il n'a pas fait le stage avec le canon comme Ichigo, Genju et tout, auparavant. Et il s'infiltre aussi normal au palais royal pour affronter la division 0 et absorber le roi spirituel, qui est l'essence même du monde de la Soul Society, de l'univers de Bleach. Et il s'intègre normal et il fait son combat contre la division 0. Bon, il avait son escadron de bataille, comme il l'appelle lui-même. Et là, il décide de se castagner contre la division 0 et contre Ichibei. Et là, c'est un autre point que j'ai noté, c'est son super combat contre Ichibei, qui dure un peu plus que Yamamoto. Hein. Donc là, ça m'a aussi remis en question, est-ce que Ichibei est plus fort que Yamamoto? On peut se le demander, hein, quand on voit le super combat qu'il a tiré avec Kiwatch. Et franchement, le combat était vraiment pas mal. J'ai préféré celui à Yamamoto, mais celui contre Ichibei est tout aussi spectaculaire. Ichibei, qui est un gros Shinigami, a le pouvoir de retirer les propriétés d'une arme, d'un objet et d'une fonction. Ça veut dire, en gros, que, par exemple, si je me bats avec une mitraillette, il peut enlever cette fonction, il peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de balles. C'est des pouvoirs un peu what the fuck. Bon, on a l'habitude de voir ça dans Bleach. Hein. Donc ce pouvoir est assez intéressant. Cependant, le combat a quand même duré pas mal en longueur. Mais Iwatch a activé son shrift, le A, Almighty. Et une fois que son shrift est activé, vu qu'il peut voir dans l'avenir, le modifier, l'esquiver, l'interpréter, ce que vous voulez. Il ne peut pas perdre, littéralement, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'on peut voir, car il bat Ichibei, en fait, tout simplement, car il a une longueur d'avance, si on peut dire ça comme ça, et voilà, il dit clairement, il prévoit l'avenir, et il ne peut perdre contre un pouvoir qu'il ne connaît déjà, donc en gros, s'il connaît ton pouvoir une fois, il ne peut pas perdre, tout simplement. Donc Ichibei, une fois que son pouvoir du noir, tout ce qui peint en noir, il le neutralise, ben ça marchait plus en fait, ça marche une fois, et ça ne marche plus contre Iwatch, voilà, tout simplement. Donc voilà, à ce moment-là c'était fini pour Ichibei, et perdu tout simplement. Iwatch était trop fort en fait. Donc ça c'était le combat contre les membres de la division 0. Donc ce qui a duré pas mal de temps, qui était fort sympathique. Et qui était fort sympathique, mais bon là, tu vois qu'à partir de ce moment-là, Kiwatch il était devenu trop fort en fait. Il était vraiment trop haut. Ça va être dur de l'arrêter quoi, par la suite. Et le dernier combat, car il en a pas eu. Il en a eu 3, bon c'est déjà pas mal. Hein. Donc ça sera le combat ultime de l'œuvre. Donc ça sera Ichigo et Orihime contre Iwatch. Le combat est plutôt... Bon là, c'est le manga, il partait un peu en sucette. Hein. Cependant, ce que j'ai pensé des combats finaux d'Ichigo contre Iwatch, la première partie avec Orihime, c'était moyen. L'auteur a dit qu'on allait remettre Orihime sur le devant de la scène, pourquoi pas. Ça lui donne un peu d'utilité, hein. pas comme Chad, hein, qui sert juste à faire des serments à Ichigo de temps en temps. La deuxième partie du combat, c'est Ichigo Horn of Salvation versus Iwatch. Et là, on peut voir que Ichigo
a une corne sur le côté gauche, il me semble, ou droit. Et c'est la deuxième partie du combat, en fait. Bon, j'ai pas surkiffé la transformation, car contrairement à ce qu'on avait versus Ulquiorra et même contre Aizen, j'ai préféré ces deux transformations antérieures à celle-là. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste moi, je kiffe pas spécialement. Je la trouve pas spécialement ouf. Elle est bien, mais moi, je kiffe pas. Et le combat avec cette forme-là, je le trouvais assez moyen. Après, il y a eu Iwatch vs Aizen, et là, c'était pas mal. Déjà parce qu'on voit Aizen, hein. Je suis un peu le fanboy. Aizen, c'est The Méchant de Bleach. Hein. C'est quand tu le vois, l'essence s'émoustille, en fait, il fait « Oh putain, c'est Aizen !» Où faut se mettre, c'est Aizen, c'est le béaba du méchant de Bleach. Hein. C'est un peu comme Freezer, quoi. Où, voilà, c'est Aizen, quoi. Et le combat était pas mal. T'as Aizen qui nous sort du Kido du niveau 90, 99 même, il me semble. Il a plus le temps. Hein. Il utilise les Kido les plus forts jamais exploités de l'univers de Bleach. Et c'était pas mal. Franchement, Iwatch Aizen, c'était pas mal. Et le combat ultime, c'est Iwatch versus tout le monde. Donc tout le monde, c'est Aizen, Uryu, Renji et Kigo. Et là, bon, en gros, c'était le combat, c'était la conclusion finale. Hein. Tout le monde contre le boss ultime. Bah, ça me fait plaisir car on revoit Uryu. Hein. Le peu de fois qu'on le voit se battre, moi, ça me fait plaisir de le revoir. Il utilise une flèche transmise par son père pour défaire Iwatch, l'espace d'une seconde pour neutraliser son pouvoir ultra cheat. Et voilà, ça a pas marché dans un premier temps, mais Ichigo arrive à le défaire en reprenant son sabre originel, parce que son épée a eu plusieurs transformations, mais l'épée de base est revenue. Et voilà, il a défait Iwatch, parce que Iwatch, son pouvoir du futur a commencé à se dérégler, il a une mauvaise vision et il n'a pas su éviter le coup d'épée. Il se fait couper en deux et voilà. C'est comme ça qu'il gagne. Bon. La conclusion, j'allais dire simple, basique, elle est un peu. Elle est spéciale, hein. C'est une fin assez basique, hein. J'suis obligé de le dire. Il n'y a pas d'autre mot. Elle n'est pas aussi bizarre que la mort d'Ultiora par exemple, mais pourquoi pas. Hein. Fallait bien finir le manga. Et le combat ultime, Iwatch versus tout le monde, c'était. J'ai pas trop d'avis, hein, c'était. Fallait qu'on. Voilà. Ça aurait pu être pire, voilà, c'est ce que je veux dire, ça aurait pu être pire. Donc voilà pour les exploits d'Iwatch. Il a fait pas mal de trucs, hein. Défaire Yamamoto et Kenpachi, déjà rien que pour ça, c'est. Ça suffit à le classer au niveau de méchant bien badass. Hein. Donc pour moi, c'est validé, Iwatch, c'est le méchant ultime. 100% validé par la Gazette, et pour moi c'est un grand oui. Pour la dernière partie bonus, quelques faits à noter sur Iwatch. Il a une forte ressemblance avec Zangetsu. Zangetsu, l'espèce, celui qui a les lunettes qui réside à l'intérieur du Kigo. La ressemblance se caractérise parce que c'était Iwatch il y a 1000 ans en fait. C'était son apparence en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à définir. C'était Ichigo voyait Iwatch il y a 1000 ans. Voilà, c'est aussi con que ça. Iwatch incarne aussi les pouvoirs, les peu de pouvoirs Quincy que de Ichigo, hein, parce qu'il n'en a pas énormément. Il a une particularité avec Yugram, c'est que quand ce dernier dort, quand Iwatch dort, c'est Yugram qui reprend le pouvoir de All Mighty et il peut voir dans le futur. C'est pour ça que Uryu a pas mal galéré contre ce dernier. Il a une confiance unique envers son escadron de protection qui est composé des 4 meilleurs Stand Riders. Et il a un comparatif avec... je voulais faire voilà, un comparatif avec Aizen. Quel est le méchant que je préfère le plus? Et pour le côté aspect charisme... pour l'aspect charisme, je dirais Aizen. Mais pour l'aspect anthologie, histoire de Bleach, je dirais Iwatch. Moi, je pense que je préfère Iwatch parce que il remonte à très loin et il a fait beaucoup de salles en très peu de temps, si on veut. Et moi, je valide 100% ce méchant. C'était une bonne trouvaille et surtout si tu le compares à Ginjo, il n'y a pas photo. Hein. C'est l'auteur a fait un bon coup. Voilà. Aussi, dernier point, c'est lui qui attribue les shrifts. Donc les shrifts, c'est les pouvoirs des Sternriner. Les lettres, en gros, c'est-à-dire lettres en allemand. C'est lui qui les attribue à pratiquement tous les Sternriner. Il ne l'a pas attribué à Valkyrie, il me semble, car lui, il en avait un de base.
Mais en gros, c'est simple. C'est lui qui transmet les pouvoirs. Il partage ça à peu près à tout le monde. S'il les a réabsorbés à un moment, il le dit avant de, d'intégrer, avant de se battre contre la Division 0. Et ça, j'ai oublié de le préciser qu'il a eu, il a trahi une partie de, des Quincy à un moment donné, car il voulait ses pouvoirs. En fait, c'est lui qui les donne et c'est lui qui les reprend quand il veut. C'est pour ça que je disais qu'il a une confiance unique envers son escadron de protection. Le reste, il s'en fiche un peu. Hein. Donc, il y a eu des conflits entre les Quincy à un moment donné. Ça permet de montrer aussi que c'est vraiment un méchant qui en a rien à faire. Et ça, c'est commun à pas mal de méchants. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur Rewatch, sur ce que vous avez pensé de ce méchant, sur ses combats. Le combat contre Yamamoto, contre Ishibe, contre Aizen, contre Ichigo. Surtout celui contre Yamamoto, car c'est celui-là qui m'a le plus marqué, si on veut. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de Bleach. Diana.